Monsieur le Président, avec votre oreillette si vous le souhaitez. Au nom de l'Ordre dominicain, je suis très heureux de vous accueillir. Nous sommes très heureux de vous accueillir, les frères qui sont avec moi, les sœurs qui ont été pionnières aussi de cette école. Non. Après le pape François qui est comme pèlerin. Le peuple irakien. J'étais hier dans une mosquée chiite, je serai tout à l'heure dans une mosquée sunnite voisine, je verrai les yézidis et je pense que c'était important de pouvoir voir l'ensemble justement des chrétiens ici présents et parce que je crois très profondément que les problèmes auxquels sont confrontés non seulement les irakiennes et les irakiens mais toute la région ne peuvent trouver leur solution que dans la capacité à mieux se connaître, se comprendre, travailler ensemble et bâtir un avenir. Et à cet égard, je pense que chacune et chacun d'entre vous joue un rôle absolument essentiel. Cela a été la vocation de la France ici, et cela le restera. Et nous avons été engagés, nous restons engagés dans la lutte contre le terrorisme et comme contre le désespoir, la misère et la haine de l'autre. Et c'est à ce titre que je pense que vous avez un rôle essentiel à jouer. Je ne serai pas plus long, je veux surtout vous écouter. Et je vous remercie de votre présence et de votre patience. Merci Monsieur le Président. Je pense que maintenant nous pourrions entendre Abouna Emmanuel, qui est le corps évêque donc, de l'église syriaque catholique, ici, résident ici à Mossoul, et qui va pouvoir nous parler un peu de la situation. سيادة الرئيس شكرا جزيلا على وجودك في مدينة الموصل إن شاء الله تكون زيارة جيدة للمدينة وتكون بها خير لهذه المدينة الذي نتمناه أن لا تكون زيارة عابرة نتمنى أن يكون هناك قنصلية مثلما في هذه الكنيسة كان بالقرب منها قنصلية فرنسية في مدينة الموصل نتمنى حتى لا تكون زيارة عابرة كلام فقط أو زيارة لفترة معينة أن يكون قنصلية فرنسية في الموصل
لكيما يكون هناك نهوض بواقع هذه المدينة التي حاربت داعش نيابة عن العالم ككل. نشكركم على ما تقدموه من أجل إعمار مطار الموصل. هذا المطار الحيوي، الموصل هي المدينة الثانية في العراق التي كان بها مطار، وبسبب ما نعرفه كلنا ليس هناك مطار إلى حد الآن. نتمنى أن يكون هناك دعم للسيد المحافظ في إقامة هذا المطار وبأسرع وقت ممكن. نتمنى أن يكون هناك استثمار من فرنسا في لهذه المدينة الجريحة، المدينة التي عانت كثيرا. كانت زيارة خير لقداسة البابا لهذه المدينة، واليوم نتوسم خيرا بزيارتكم من أجل أن تعود هذه المدينة، مدينة الموصل، مدينة تحمل كل الأفكار الرائعة والجيدة التي تقدم ليس فقط لهذه المدينة لكن للعالم ككل. هناك العديد من أهالي الموصل الذين هم في فرنسا لهم مناصب إن صح التعبير، الكل الجالسين هنا مع عدايا يتكلم الفرنسية. هذا هو واقع وحال مدينة الموصل. نتمنى بمساعدتكم أن يكون لها دور قريبا إن شاء الله. شكرا سيادة الرئيس على وجودك في هذه الكنيسة، كنيسة الساعة، في القنصلية الفرنسية إلى عام 1960 تقريبا. شكرا. Monseigneur Najib, archevêque chaldéen de Mossoul à Cré. Monsieur le Président, je suis ravi, et si vous permettez, je parle en français plutôt. Je suis de Mossoul, je suis né à Mossoul, mais pour les médias, je crois que c'est important de parler directement et ils peuvent traduire. Je suis ravi que vous soyez là, dans cette église, église de l'heure, Notre-Dame de l'heure. Et l'heure, avec un grand H, parle beaucoup. Et la première horloge qui est rentrée ici, c'est l'horloge de l'impératrice Eugénie en 1880. Et en 81, ça a été installé ici, donné par le gouvernement français. Donc vous êtes là sur les traces de vos ancêtres dans l'Empire déjà français et aussi Napoléon. Et vous êtes vraiment quelqu'un qui est là pour dire que la France a un rôle énorme pour Mossoul particulièrement et pour Ninive. Effectivement, ce qui a été détruit complètement par Daesh, nous voulons que le monde entier tourne son regard, comme le Saint-Père a dit, vers cette ville martyre. C'est une ville martyre, martyre pas pour les chrétiens, les musulmans, les yézidis, les autres minorités, tous ont été martyrisés par ce fanatisme qui existe. Donc nous ne voulons pas seulement bâtir des pierres. Merci beaucoup si vous pouvez bâtir les pierres des hôpitaux, comme le premier hospice à Mossoul. C'était fait par la France. La première école, c'était fait à l'époque de l'accordaire, ici, à Mossoul. Mais nous voulons bâtir aussi l'esprit, combattre le fanatisme, cette idéologie néfaste qui est très dangereuse. Donc on ne peut pas combattre le fanatisme que par l'éducation. Et la France a un rôle mondial, je crois, pour l'éducation, par la francophonie et aussi par semer cette paix, justement, entre les peuples pour bâtir des ponts entre les diverses communautés qui existent. Mossoul et Ninive, vraiment, c'est un exemple extraordinaire de cohabiter ensemble, d'amitié, de collaborer ensemble, mais il faut un support pour nous, il faut quelqu'un qui nous aide à ne pas permettre, à mon avis, par tous les moyens, que cet esprit fanatique renaît de nouveau à Mossoul. Et j'espère, et je suis sûr, et je suis fils de cette ville, il y a beaucoup de générations aujourd'hui, surtout les jeunes, qui commencent à combattre le fanatisme, qui commencent à serrer les mains et travailler ensemble. Et la majeure partie de ceux qui ont nettoyé nos églises, ce sont des musulmans. Et un musulman qui m'a dit, Monseigneur, j'ai un souhait à vous demander, que le premier cloche qui soit sonné à Mossoul, qu'elle soit par moi. Et c'est un musulman qui est allé à la Mecque, et c'est un signe d'amitié. Vous êtes le bienvenu, monsieur le ministre. Merci, monseigneur Najib. Maintenant, on va donner la parole de l'autre côté à monseigneur Youssouf Thomas Mirkis, archevêque de Kirkouk. Kirkouk, qui est l'une des grandes villes du Nord, une ville multiculturelle où toutes les communautés sont présentes.
Soyez le bienvenu, Monsieur le Président. Je vous rappelle que nous sommes en 2021. Il y a 100 ans exactement, l'Irak était né. Et les Français et les Anglais se battaient pour avoir Kirkuk parce qu'il y a du pétrole. Et c'est les Anglais qui ont gagné. Et toute cette histoire a été impliquée, l'Europe et la France surtout. Et moi, je voudrais seulement parler du rôle de la culture. La France, avec, grâce aux religieux, aux religieuses, ils ont œuvré pour les écoles et surtout pour la santé. Alors, les investissements aujourd'hui, étant donné que le pays est à genoux, j'aimerais que la France mette l'accent sur la reconstruction de la culture, des écoles, des universités et des hôpitaux. Et ça, je crois que la France est bien placée pour le faire. Merci encore d'être venu. Non, merci beaucoup, Monseigneur, et merci pour ce que vous avez dit. J'entends, j'y répondrai tout à l'heure sur ce qui est dit sur les écoles. Je voudrais aussi que vous me disiez, vous l'avez évoqué avec un exemple très, très frappant, mais les sources d'inquiétude et d'espoir que vous avez aujourd'hui sur le terrain, dans le rôle qui est le vôtre. Quand vous regardez les choses, qu'est-ce qui continue de vous inquiéter à Kirkuk et qu'est-ce qui nourrit votre espoir ? Justement, le fanatisme est quelque chose qui nous inquiète. Tous les fanatismes, qu'ils soient nationaux ou religieux, et c'est le confinement, non pas seulement avec le Covid-19, mais le confinement des peuples qui se replient sur eux-mêmes. Et je crois que s'il y a de la coopération entre la France, l'Europe, les autres pays, si on apprend des langues, si la jeunesse irakienne représente 60% de la population. Vous savez, en 1921, quand l'Irak est né, on était 2 millions. Aujourd'hui, on est 42 millions. Et ça c'est l'un des peuples les plus jeunes, peut-être, du monde. C'est pour ça qu'il faut penser à la jeunesse et à l'éducation. أنا أحكي بالعربي أخوتي سبقوني بالفرنسي بس أحكي بالعربي ولو أنا وكيلي بالموصل أبونا عمانويل تكلم أيضا نيابة عنا ما أضيف شيء إلا بس أريد أركز بين علاقة فرنسا وتواجدها واهتمامها ما قد يكون فقط في مدينة الموصل إنما في سهل نينوى ككل ونحن في سهل نينوى مكونات متنوعة أديان مختلفة قوميات مختلفة شعوب متفرقة لكن كنا دائما متضامنة ونعيش بأخاء وسلام ما كان يفرقنا شيء اليوم بدوا السياسيين هم كيخلقون بيناتنا نعرات حتى يسوون مشاكل بيناتنا نحن كمكونات المنطقة نحب منطقتنا نحب وطننا نريد هذا الوطن أن يزدهر ونبقى نحن نتواصل ونعيش المودة والإخاء بين كل المكونات من دون تفرقة فأريد أن تكون زيارتكم هوني ليس فقط اهتمام بالمسيحيين إنما بكل المكونات حتى ننتعش جميعا وحتى نواصل ونعطي فرض صورة حسنة جيدة للمنطقة أنه هذا هو العراق العراق اللي يحب الأرض العراق اللي يحب الوطن العراق اللي يحب الشعوب ويتضامن دائما حتى نعيش بمحبة ووحدة وسلام وشكرا مرة أخرى أدعوكم لزيارة قرقوش لأن هي في قلبكم وفي قلبنا شكرا Maintenant, nous allons repasser de l'autre côté. أكيد مرة أخرى فخامة الرئيس شكرا جزيلا لزيارتك احنا سعداء بلقائك أنا بالنسبة لي المطران داود شرف رئيس سقفة الموصل وكركوك وأقليم كردستان وأنا أبا عن جد ولادة الموصل هذه مدينتي
أنا كنت آخر مطران يطلع من الموصل، وقد كان بيننا وبين داعش فقط 300 متر. كانت أيام صعبة جدا، قاسية الكلمة. أنا أقول أنا طردت من مدينة آبائي وأجدادي، طردنا بشكل قاسي جدا، فقدنا كل شيء. هذه الكنيسة هي مثال على بقية الكنائس الأخرى اللي تقسم منها تعود إلى القرن الثالث الميلادي. هدم كل شيء، انتهى كل شيء، حتى مخطوطاتنا التي تعود للقرن الثاني الميلادي قسم منها سرق وانتهت، ونشكر الله قدرنا ننقذ قسم منها. نحن اليوم نقدر كثير مثل هذه الزيارات، لكن وجودنا ضرورة في هذا البلد. نحن كمسيحيين مع الأسف صرنا اليوم أقليات، وهذه حقيقة. نحن أقلية، رضينا أن نكون أقلية، لكن صعب أن نكون لاجئين في وطننا. لكن الحمد لله الله أوجد لنا مكان استقبلنا برحابة صدر اللي هو كردستان، فتحوا الأبواب أمامنا، استقبلونا، احتضنونا، ساعدونا، وإلى اليوم هم يساعدونا، وإحنا اليوم موجودين. أنا مطران الموصل، لكن اليوم أنا مقيم في أربيل في عنكاوة، لأني أشعر هناك بالكرامة. نشكر الله، اليوم الموصل بلشت تتعافى، الله أوجد لها أناس طيبين مثل سعادة المحافظ الموجود اللي يسعى دائما أنه يبعث رسائل مطمئنة لنا حتى نقدر نتواصل. أكيد إحنا نقدر كثير هذه الزيارة، نتمنى أنه تعملون مع الحكومة المركزية في العراق وفي إقليم كردستان على تثبيت المسيحيين وتثبيت هذه الجذور، لأن المسيحيين في العراق هم جذور المسيحية في العالم. إذا قطعت هذه الجذور المسيحية في خطر، ليس في الشرق فقط إنما في الغرب أيضا. شكرا مرة أخرى لمجيئكم. شكرا سيدنا. Merci président, vous avez le dernier mot. J'avais une question avant le dernier mot, j'ai le droit. Allez-y. Non, parce que monseigneur, vous avez dit quelque chose qui est frappant de sur ce que vous avez vécu, vous qui êtes un enfant de Mossoul. Mais si je peux me permettre une question, j'allais dire peut-être impertinente pour nous tous d'ailleurs, parce qu'elle vaut aussi pour nous. Je comprends que quand les forces djihadistes